On va parler maintenant de notre équipe de Suisse qui va donc commencer son tournoi dès demain. La sélection suisse qui va pouvoir compter sur un atout de poids cette année, c'est bien sûr Nico Hischier. Sébastien Clément a notamment rencontré le Haut-Valaisan juste avant le début de ce championnat du monde. Sicher, dass ich Freude habe und dem Team helfen zu gewinnen. Das ist eigentlich meine große Erwartung. Nico Hischier sera l'un des éléments clés de l'équipe de Suisse au Mondial 2019. Auteur de 4 buts contre la France en préparation, le centre valaisan s'est déjà bien intégré dans le groupe. Tout ce qu'il fait a l'air facile et puis il fait presque que les bonnes décisions. Donc ça aide de l'avoir au centre. Et puis non, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Les deux matchs contre la France étaient bien avec lui. Donc on espère de continuer comme ça et puis d'avoir un bon tournoi. Il est un grand joueur déjà maintenant. Il est un leader. On a vu les... La semaine dernière, il a fait 4 buts en 2 matchs. Il jouait très bien en défense. Pour ça, on est très content. Il va aider à notre enfance. Et pour ça, oui, on est content que Nico est ici. Le numéro 1 de la draft NHL 2018 devrait avoir de grandes responsabilités sur ses épaules. Mais l'attaquant de 20 ans ne se met pas trop de pression. Je pense que jeder Einzelspieler hier a une rôle. Sollte nicht zu viel machen und nicht zu wenig. Also man muss einfach seine Rolle machen und dann ist man ein gutes Team. Also das probiere ich auch zu machen. C'est bien sûr en équipe que la Suisse pourra faire un nouvel exploit. Mais la présence de Nico Hischier pourrait apporter un petit truc en plus à la Nati. Forcément, hein, Dani, c'est un sacré plus pour notre équipe nationale. C'est un joueur qui est capable de jouer notamment avec une grande intelligence de jeu dans les deux sens de la patinoire. Non, c'est un joueur complet. C'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses sur une glace, que ce soit avec ou sans rondelle. Il a aussi un mental vraiment très, très haut. Il a une maturité très grande. Il a de l'avance sur beaucoup de jeunes de son âge de 20 ans. Après, il faut que. Je pense qu'avec tout ce qu'il a prouvé mentalement, avec toute la pression qu'il a eue lors de son année de draft, la première année, je pense qu'il est capable de montrer que finalement, ce tournoi-là, ça ne va pas être plus de pression pour lui qu'un autre. Alors les joueurs sont en train de revenir, juste faire très court Didier, c'est aussi une belle publicité pour le hockey valaisan. Ah ben bien sûr, de toute façon l'équipe nationale est obligée d'avoir un valaisan en saison, hein, c'est clair. Donc, non, Nico c'est clair, c'est quelqu'un qui va amener, mais attention, il ne faut pas non plus croire que c'est lui qui va nous amener à la médaille d'or. Non, c'est certain. Je crois que tout le monde a son rôle, il le disait très bien, tout le monde a son rôle et tout le monde doit le tenir. Merci beaucoup Didier.